Depuis que j'ai Madame Blanc-Mège, il y a une expression qui revient fréquemment lorsque je la présente à d'autres passionnés. La 106, c'est un vrai kart. Eh bien, je dois vous admettre que malgré 50 propriétés, je n'ai jamais tout à fait saisi cette analogie. Premièrement, je trouve que les cartes à la conduite sont bien plus lourdes. Et deuxièmement, bah moi j'ai 5 places, ce qui est beaucoup plus pratique pour prendre du monde avec soi. Plus sérieusement, je pense que cela s'explique par le fait que je conduis en majorité des véhicules de petite taille, et donc agile, ce qui a forgé une habitude et peut expliquer pourquoi je trouve les cartes un peu plus lourdes à la conduite que ma 106. Ce qui serait totalement différent pour une personne qui roule en Oldsmobile. Par contre, un kart, c'est efficace. Et comme vous avez pu le remarquer si vous êtes un abonné, je m'efforce constamment d'améliorer l'efficacité de ma voiture. Barre anti-rapprochement, salon bloc renforcé, échappement. Et il y a un sujet important que je n'avais pas encore abordé avec vous, mais qui est en plus totalement indispensable au montage de kit gros frein ou de jantes. Enfin, ça c'est pour le côté sportif. Souvent, on change de jante pour le style ou pour augmenter ses étoiles dans Need for Speed Underground. Bon, vous avez deviné? Non? Bon, c'est pas grave. On va le découvrir rapidement parce que j'ai reçu un colis ce matin, prévu justement pour cette vidéo. Le DV Factory, avec ses élargisseurs, pour moi, ont réussi le pari du visuel et du toucher. Parce que, au visuel, on a un produit qui est bien fini, avec une matière qui reflète bien la lumière. C'est très beau à voir, et c'est vraiment très beau à voir. En plus, cette couleur noire change des matériaux bruts qu'on peut retrouver sur d'autres élargisseurs de voie. On a aussi la sérigraphie de l'anthrax de notre élargisseur, mais en plus, le logo du fabricant qui est apposé là, qui, inconsciemment, en fait, renvoie une image d'un produit de qualité. On a envie de toucher, c'est pas exagéré vraiment. Si vous avez l'occasion d'avoir d'autres élargisseurs de voix, vous allez comprendre que ceci renvoie tout de suite une image plus premium, plus qualitative. Et ce qui est important aussi à avoir à l'esprit avec cette qualité là, c'est qu'elle n'est pas forcément inaccessible. Les prix sont en fait presque identiques à d'autres élargisseurs de voix en matière brute, de marques qui sont très connues. C'est pas un prix qui est excessif et qui offre en plus une finition qui est peut-être meilleure. Priorité au direct, chers abonnés, j'ai des informations à vous communiquer. Premièrement, c'est que la vidéo est sponsorisée par EDV Factory, qui m'a envoyé cette belle paire d'élargisseurs à tester pour vous. Merci à eux. Deuxièmement, et le meilleur, c'est que je vous ai négocié un code promotionnel. Je sais, c'est génial. Donc profitez de 10% sur votre commande chez EDV Factory avec le code OEMIEN, qu'on appelait comme ça à cause de mon association. Mais bien sûr, terminez ma vidéo avant de commander, parce qu'il y a ma conclusion sur les élargisseurs de chez EDV Factory. On reprend. La boîte aussi, hein, est sympathique. On peut voir que on a acheté vraiment des élargisseurs de voix et pas un produit rebadgé d'une autre marque avec un simple carton. Mais c'est que du packaging, c'est que du marketing. Il va falloir voir les performances une fois montées. Et c'est ce que je vous propose de faire, de les mettre sur la 106, puis de voir si ça vraiment se monte en lieu et place, sans défaut, et aussi sur la route. Si au final, une version allégée n'apportera peut-être pas plus de vibrations, ou si ça sera vraiment un produit bien fini jusque la fin. Et là, le petit qui va nous apporter non seulement l'esthétique, mais aussi les performances attendues d'un élargisseur de voix. Je vais pour vous apprendre comment lever une voiture correctement, juste ne pétez pas vos longerons. Thank you.
se mater Shock Wave. Voici ce que j'avais avant, une simple cale en 16 mm, avec aussi une bague de centrage. Bon, c'est bien, ça s'enlève. Ça s'enlève très simplement, mais là on va les remplacer par ceux de DP Factory, et on pourra mettre ceci à l'avant, et si à l'avant ça me plaît, si le châssis est meilleur, ou si au niveau esthétique c'est sympa, on pourra passer toute la voiture en élargisseur de chez EDV Factory. Des tambours à l'arrière pour ceux qui ne savaient pas, sur les 106 XSI c'est tout à fait normal, hein, ils ont des tambours même sur les versions Elite 6. EDV préconise sur leur vidéo de montage, mais aussi en toute logique, de bien nettoyer la surface de contact entre l'élargisseur et la partie où il va être posé pour éviter l'apparition de rouille et qu'il colle. De toute façon, là, on voit bien que la rouille est bien apparue et que par le passé, j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Le plus simple pour venir décaper toute cette surface, c'est de prendre une visseuse et puis un embout type métallique pour venir brosser. C'est le plus rapide, le plus simple, plutôt que les brosses qu'on fait à la main. Pour nettoyer la zone, ça fait pas de mal. Voilà, on a un superbe tambour prêt à recevoir notre cale. Au niveau du placement, je ne vous apprends rien, il vous suffit juste de placer l'élargisseur en face des trous. Là tout de suite, on peut remarquer que les trous faits par EDV Factory sur leur élargisseur sont beaucoup plus gros que ceux de TA Technics. Alors bon, ça ne devrait pas changer grand chose. De toute façon, là, si on veut mettre un goujon, bon, il passe toujours aussi bien. Hein. On n'a plus qu'à maintenant venir refixer la roue, et c'est ce qui va permettre de solidifier l'ensemble et de faire tenir l'élargisseur sur le tambour. Voilà, j'en fais zip, que tout le monde me demande à chaque fois en commentaire, c'est quoi mes jantes, c'est quoi ma dimension de pneu. Bah écoutez, alors Toyo TR1, avec la dimension, et où la dimension, pour vous voyez en direct, comme ça au moins, vous la retenez, j'espère. Les 195-45R15-78V, et c'est pas des volts. Bon, là, le seul souci, quand tu mets des élargisseurs sur des tambours, c'est qu'il n'y a pas de vis de maintien, donc les élargisseurs peuvent venir bouger avec la roue. Ok. Là, je peux déjà voir que l'élargisseur a bougé, ce qui va m'empêcher de mettre un goujon au bon endroit, à moins que peut-être ici. Ouais, ici, ça a l'air d'avoir mordu. Mais est-ce que les autres, c'est pareil. Troisième goujon. On va venir faire ça à la main dans un premier temps. Les goujons sont maintenant serrés pour tenir la roue. Il ne va plus qu'à nous rester qu'à descendre la voiture pour pouvoir faire le dernier serrage. On va serrer à la clé dynamométrique. Clé de chez Magnusson qui me rend toujours des bons services. On remet l'embout. Là on a encore serrage et on va serrer. On va serrer. Bon, de toute façon, je crois qu'on était déjà à la bonne valeur. 98.
Moi, je suis vers 110 Nm avec les élargisseurs. Sinon, de base, je crois que c'est dans les 100. Donc là, on va mettre. Ouais. Hop, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à serrer notre roue. Voilà, on a nos quatre goujons qui sont bien serrés, la cale qui est bien installée. Je contrôle quand même s'il n'y a pas de jeu entre l'épaisseur de la cale et le tambour. C'est parfait, tout est bien installé. Premier test à la cool pour découvrir le châssis avec les élargisseurs aux quatre coins sur une route que je connais très bien. Let's go. Bon, ça tient. J'ai pas de frein. Ok, appuie fort. C'est bon, c'est passé. Et une voiture sans permis. Bon, en tout cas, premier appui, c'est nickel. C'est comme avant, sans différence. Ça passe toujours aussi bien, donc déjà c'est pas pire qu'avant, on va dire. Cette séquence vous est offerte par Blanc-Neige. Ouh! Ça pétarade, mon gars! Je rappelle, les freins sont en rodage, donc on y va doucement au freinage. Donc on peut pas faire trop le port. Mais c'est suffisant pour tester le châssis. Ok, donc là le train avant est à la limite. Ok, l'arrière en roule mieux je trouve là, en descente. Ok, c'est intéressant. Là, j'ai senti un arrière beaucoup plus dans la marche de la voiture. Là, tu lâches pas l'accélérateur, comme ça, tu délaisses pas le frein arrière. À freiner doucement pour pas freiner trois fois malheureusement.
C'est un peu frustrant, tu vois. C'était plus rapide, ouais. Ah ouais. Là, ça a pas bougé. Pas du tout. Là, attention, petit trou. Le train arrière bouge moins. Honnêtement, le train arrière bouge moins avec les élargisseurs, je le sens là dans ce virage là. Avant, la voiture, elle avait l'habitude de se déporter un petit peu, là, elle a pas du tout bougé. Ouais, je sens le train avant, il fait plus de bruit qu'avant par contre, les pneus, ils crissent plus fort. Ça enroule bien en tout cas. Je sens pas une limite de train avant, moi. Ok, là, le petit. Ok, bon, on se retrouve pour la conclusion, hein. Comme j'ai dit, on se retrouve. Ouais, c'était une phrase bien choisie car nous sommes maintenant 6 mois plus tard. Ah, je fais un giga flemmard, c'est horrible. Bon, j'admets que j'ai bien traîné, mais au moins je peux vous faire une conclusion réelle d'utilisation. Entre temps, j'ai monté 2 élargisseurs de chez EDV en plus, ce qui donne 16 mm à l'arrière et 12 mm à l'avant. Du côté du style, j'ai rien à dire, ils remplissent parfaitement leurs fonctions, permettant en arrière d'avoir un beau déport, puis à l'avant un bel indice pour les forces de l'ordre sur mon kit gros frein. C'est large. Si vous avez des jantes à bâton, vous pourrez en plus apprécier de voir les élargisseurs. Moi, j'ai préféré poser des jantes impossibles à nettoyer. Du côté du châssis, après un léger temps d'adaptation, j'ai trouvé qu'il avait gagné en stabilité, mais perdu en vivacité du train arrière. Ce dernier me renvoyant maintenant plus l'impression d'être fixé au sol. Si vous êtes du genre train arrière joueur, il faudra prendre des élargisseurs un peu moins larges que les miens. Pas de grand changement sinon pour le reste. Finalement, côté maintenance, j'ai démonté l'ensemble récemment et la rouille apparaît très peu et surtout moins rapidement que mes précédents, j'imagine grâce au traitement du métal. Il se retire sans effort et ça me plaît de ne pas avoir à sortir de burin de forgeron à chaque fois pour retirer un simple élargisseur. En conclusion, j'aurais à vous dire que ces élargisseurs allégés de chez EDV Factory sont des bons produits à mettre sur votre voiture, qui cochent les cases design, maintenance et efficacité. Il faut très bien ce qu'on leur demande pour un bon prix. EDV a l'avantage de proposer une importante gamme d'élargisseurs, de visserie et même de peinture pour vos étriers. J'imagine donc que vous trouverez élargisseurs à votre moyeu, même avec un modèle de voiture particulier, si vous décidez de vous équiper. En tout cas, n'oubliez pas de taper le code OMIEN pour profiter de vos 10% à la commande et aussi de vous abonner à la chaîne. Ça vous fait gagner plein de tutos sympas à regarder. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. J'ai absolument pas fini de modifier cette 106, alors patience.